Non mais c'est pas vrai, non. Non mais défends-toi, Harry. Non mais allez, mais flippendo, motherfucker. Oh, fais chier. Putain, non mais quel enfer ces jeux Harry Potter de nos jours. Oh, si seulement il y avait eu des jeux Harry Potter, mais sur Famicom, quoi, voilà. Ça, c'est du jeu. Pff, on peut rêver. Mais il existe de tels jeux, mon petit bonhomme. Oh, mais attends, qui a dit ça? Ici, voyons, c'est moi, Billy. Mais ça, par exemple, ma bite me parle. Nom d'un phallus de dinosaure, c'est moi, Billy. Alpha Man, le plus fort de tous les hommes. Tous les hommes, ouais. Ce qui inclut toutes les femmes. Oui, mais oui. Mais attends, tu disais quoi, au fait? Que tu as bel et bien joué à des jeux Harry Potter sur ta Famicom, mon petit. Nani? Non, impossible. Bien sûr que si, Billy. Benzaï, moi, Benzaï. Peu importe, Billy. Tu as simplement refoulé tes souvenirs au plus profond de toi-même, tel un suppositoire mémoriel. Non, 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 non. Je n'y crois pas. Tu mens. Pardon. Regarde au fond de toi, Billy. Benzaï. Benzaï, et tu découvriras la vérité. Au fond, moi? Ouais, mais il me faudrait un miroir et puis un client pour débarquer. Non, 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 non. Ferme juste les yeux, Billy, et concentre-toi. Quoi? Tiens, chérie, tu regarderas, je t'ai trouvé un jeu Harry Potter pour ta vieille Nintendo. Quoi? Mais attends, d'abord, ça se peut pas. Oui? Non, pas toi, maman! Maman, t'es sûr qu'il n'y a pas comme un problème avec mon jeu Harry Potter? Bah non, c'est pourtant ça. Mais maman, pourquoi je pouvais pas avoir Harry Potter sur GameCube comme tous mes amis à l'école? Oh, mon chéri, tu sais bien que tu n'as pas d'amis. Gna gna gna, oui, bon ben je sais, mais ça devrait même pas exister comme jeu. Tu l'as trouvé où? Oh, tu sais, chez le vieux monsieur chinois dans la rue pleine de fumée, là. Celui qui vend des mogwai? Voici Harry's Legend. Non, je déconne pas, hein, c'est un vrai jeu. Enfin, pas officiellement, mais ça existe bel et bien, quoi. Et oui, c'est vraiment basé sur Harry Potter. Regardez, Harry est laissé à la famille Dursley, et comme chacun sait, il grandira en mettant des coups de latte aux souris dans le gros bide de son cousin. Mais c'était pas du tout comme ça dans le film. C'est dommage, d'ailleurs. Vous en rêviez? Une bande de chinois l'ont fait. Un jeu où Harry marave la gueule de sa famille à grands coups de low kick. Et voilà comment il kiffe le Lascar. Et franchement, même si les hitbox sont totalement pétés, mais totalement quoi, force est de constater que le jeu pourrait être plus moche quoi. Bon, par contre, les Dursley sont trois fois plus riches dans cet univers, hein, avec leur méga baraque. Mais Harry, lui, il s'en bat les couilles. Il est là pour foutre ses pieds où il a envie. Et c'est surtout dans la gueule. Même Voldemort peut se ramener en moonwalk pour défier Harry dans une battle de hip-hop, il n'obtiendra rien d'autre qu'une série de chassés-bas dans les mollets. Bon, il est nul ton jeu alors, je peux le ramener si t'aimes pas. Non, 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 ta gueule, maman, c'est génial, dégage. Eh oui, je sais, hein, tout semble avoir foutu le camp ici, mais non, hein, le scénario semble suivre son cours, et les Dursley décident de se réfugier là, dans un îlot paumé, mais c'était sans compter sur... Ruzard, version punk à chien, qui tentera d'agresser Harry avant de mourir noyé. Salut Harry, je suis la gentille pieuvre venue t'aider contre les méchants. Et Voldemort, toujours collé à la nuque du professeur Quirrell, était là pour prendre sa revanche. Mais Harry maîtrisait déjà la technique du balai shuriken. D'ailleurs, en fait, pour l'instant, il sait rien de Voldemort, donc pour ce qu'on en sait, il tabasse juste tous ceux qui croisent. Et comme moi, à son âge, rien ne pouvait plus me réjouir qu'être témoin d'une noyade. Et alors le troisième niveau, hein, comme dans le film, Harry pénètre dans une mine pour y chercher un trésor et tombe sur Dudley. Et là, par contre, croyez-moi, Harry n'a pas que ça à branler. Fuck.
Souviens-toi, Harry, l'usage de la magie est strictement interdit en dehors de Poudlard. Contenir sa colère contre les moldus, c'est là la véritable force. Oui, professeur, vous avez raison. Mais... Tiens, Nagini, bouffe mes Converse! Alors par contre, ils expliquent pas trop comment Harry se retrouve dans Poudlard Express, hein. Comme quoi les développeurs en avaient presque quelque chose à foutre de l'œuvre originale. Sauf qu'ici dans le train, les écoliers ne font pas que bavarder, hein, et ils se violent! Quoi? Ouais non, hein, c'est clairement ça, hein. Ça veut pas dire faire du rap en tout cas. Eh ben, heureusement que je comprends pas l'anglais. Bon ben là, vous avez deviné la suite, hein. Harry expose tout ce qui bouge à grand renfort de Hadoken, et puis niveau d'après, il fait un match de volleyball contre Tante Pétunia et un moine fantôme. Ah cool, c'est mon passage préféré dans le film en plus. Et ainsi, avant même de commencer les cours, Harry tabassa Voldemort et fut accepté chez Gryffondor, et mérita plus que jamais son surnom de survivant. Harry ! Survivant de l'enfer ! Harry ! Souvent croise le fer ! Yes ! Et maman, c'était vachement cool, mais c'est un peu court quand même. Oh mais attends mon chéri, le monsieur il m'a fait un prix gros, regarde, il y en a tout plein d'autres. Mais attends, ça se peut pas. Peut pas y avoir d'autres jeux Nintendo sur Harry Potter. Harry pour tour. Ouais, c'est pas terrible, hein. À part la musique qui est bien. Mais bordel, c'est pas possible. Mais on sait qui programme ces putains de jeux. La vie de développeur, c'est pas toujours facile. Hey, salut Jean-Claude. Qu'est-ce que tu dirais de faire le nouveau jeu Harry Potter? Mais enfin, Jérôme. J'adore Harry Potter. Ah, ne me remercie pas, voyons. J'ai passé 2-3 coups de fil et donc il s'agirait d'un jeu pirate sur NES réservé au marché taïwanais. La classe. Ah non, mais je te rassure tout de suite, on partirait pas de zéro. Suffit de changer les graphismes d'un autre jeu pirate taïwanais, comme ça on peut gâcher l'enfance d'enfants qui sont déjà pauvres. Mais... ça dépasserait l'entendement. Je veux dire, non, jamais j'accepterai d'argent pour faire quelque chose d'aussi répugnant. Non mais attends, y a pas d'argent à la clé, hein. Eh ? Comment ça ? Mais par contre, c'est payé en passion et en exposition pour ton travail. Ah, mais fallait le dire tout de suite ! En plus, j'ai un pote qui fait de la super musique. Oh non, j'ai perdu contre le boss. Moi, je voulais voir l'autre niveau. Quoi, ça change de niveau tout seul? Mais c'est quoi ces jeux? Ils sont finis à la pisse ou quoi? La vie de développeur, c'est pas toujours facile. Oui. Pff, je veux dire, c'est vu. Pourquoi il y a encore un autre jeu? Mais attends, mais c'est pas possible! Mais si, c'est possible! Oh ta gueule! Voici donc Harry Story, cette fois une contrefaçon du jeu Wacky Races, ou les fous du volant chez nous. Et c'est là que je comprends pas vraiment un truc avec ces jeux pirates. Quitte à faire de la contrefaçon, autant garder ce qui était bien dans le jeu d'origine, non? Pourquoi remplacer les bombes par des notes de musique? Parce que c'est juste, c'est quoi le putain de rapport avec Harry Potter, là? Maman! Les croix gammées, elles sont trop lentes dans Harry Potter! C'est bien, mon ange! Dis-moi, Jean-Claude, c'est vachement cool la façon dont t'as remplacé le chien là par Harry Potter, mais ce serait pas encore mieux si tu gardais l'animation où il se gratte les puces? Mais enfin, Jérôme! Ce serait complètement con! Sur Game Boy aussi, on peut trouver des bootlegs Harry Potter, et là, attention, croyez-le ou pas, ces jeux sont originaux! Oui, je sais, ça fait un choc, hein. Et oui, là, il s'agit pas d'une conversion d'un autre jeu ou quoi que ce soit, hein. La programmation est 100% made in Taiwan. Et c'est de la merde. Oui, bon, mais on peut pas tout avoir, hein. C'est vrai que c'est pas parfaitement programmé. Et puis bon, ils ont quand même repompé des éléments de Metal Slug pour faire les décors, ou même Eric Zemmour pour faire Dobby. Et bordel, Harry, c'est quoi cette pose lubrique, là, face au Hagrid le plus dégueulasse que j'ai pu voir jusqu'ici? Et pourtant, le jeu PS1 avait placé la barre assez haut.
Norbert. Bon alors si Harry Potter 1 et 2 sont presque aussi chiants l'un que l'autre, hein. D'ailleurs tout ce qu'on y gagne ce sont des images de Ron Weasley au regard de braise. Eh bien, Harry Potter et le Halo Mystique, lui, il a franchement plus de gueule. Et non, désolé, ici, c'est pas un crossover avec Halo. Alors que de leur part, ça m'aurait pas surpris, en fait. Est-ce qu'il te plaît vivre en pirate, c'est ça? Tu es un pirate! Et le truc avec ce jeu, bah, c'est qu'il se tient. Et la musique fout grave la pêche. Bon, ok, en fait, elle est pompée sur Parodusda, et puis on n'en profite pas vraiment avec ces bruitages de l'enfer. Merci Jean-Michel Mixage. Et aussi, la légende voudrait qu'il existe un Harry Potter 4 sur Game Boy. Il y a même une vidéo, hein. Mais tel un orgasme féminin, j'ai beau avoir cherché, le truc qui est introuvable. Hein. Eh mais ça me rappelle un jeu, ça. Mais c'est exactement... Une petite minute. Une minute. Eureka! Eh mais vas-y, c'est une grosse copie de Sonic. Tu sais, Sonic le pangolin, maman. En effet, on a ici affaire à une copie au bloc près de Super Mario Bros. Mais avec un moteur maison tout dégueulasse, hein, qui rend le tout presque injouable. Mais on retrouvera chaque niveau du jeu original, précisément reproduit. Y compris les passages secrets, c'est ça qui est dingue. Je veux dire, il faut en vouloir quand même, il y avait un type passionné dans tout ce plagiat. Alors Jean-Claude? Cette copie carbone de Mario là, ça avance? Ben non, là, je te cache pas que j'ai du mal à rendre le jeu fluide en fait. Et puis je comprends pas pourquoi ça devrait être une grenouille au début. Ouais, ah ben c'est cool, ça c'est original. Mais par contre, attends, pourquoi je suis obligé de refaire un clone de Mario case par case? On pourrait pas juste prendre Mario et puis le remplacer par Harry Potter? Tu sais, au moins le jeu il serait jouable à la fin. En plus, si tu veux mon avis, ça reviendrait moins cher parce que quitte à arnaquer les gens avec du plagiat, autant y aller à fond, non? Ça coûterait moins cher. Jérôme? Je peux mettre un Hadouken au moins? Hadouken! Parce qu'en effet, hein, certains jeux pirates vont se contenter de changer les graphismes d'un jeu existant, comme ici Global Gladiator sur Mega Drive, et d'autres vont quand même tenter de révolutionner le monde du gaming en créant un vrai jeu original. Pour un résultat... Putain, non mais regardez, mais même Harry est choqué, bordel! Tu joues encore à Harry Potter, mon chéri? Oui, baba, mais c'est encore un autre jeu, celui-là on tabasse des Pokémon à coups de batte de baseball. Et c'est plutôt cool. Ben voyons, hein, pourquoi pas après tout. Last but not least, on a ici Harry Wrestle, un hack de Panic Restaurant, dans lequel ils se seront fait chier à remplacer les monstres pour coller à l'univers d'Harry Potter. Ou pas, voyez par vous-même, hein, entre deux trilobites, il est donc possible de croiser tour à tour Voltor, Neuneuf, Ammonita, Boustiflant, Fantominus... Y'en a plus de 150 que tu peux plagier, devenir un sac à merde. C'est ma destinée. Et le pire dans tout ça, c'est que malgré des dialogues un petit peu charcutés... Bon, t'en es où Jean-Claude sur les dialogues? Eh ben faut bien reconnaître que le jeu est pas mal, hein, surtout comparé aux autres. Même si la palme d'or du n'importe nawak revient clairement à Harry's Legend, qui était en fait un hack de Titanic. Oui oui, j'ai bien dit Titanic, avec un E. À ne pas confondre avec Titanic, qui est un autre jeu pirate basé sur le film. Oh là, attends, je suis perdu là. Et c'est pas grave, le flashback est fini de toute façon. Oh mon dieu! J'avais donc refoulé ces souvenirs douloureux en moi toutes ces années! Comme la mort de ton père, j'imagine! Non, ça j'avais pas oublié, le fameux. Merci. Merci de foutre la sale ambiance. Tiens, j'ai rattrapé un peu le temps perdu en jouant à des vrais jeux Harry Potter! Oh putain! Oui, mon ange! Non, pas toi, maman!